C'est ça, la France inclusive, riche de ses différences. On tue des profs, mais moins qu'on pense, pas d'amalgame, un peu de tolérance. C'est ça, la France, la LICRA, le CRIF parfois nous tense. Israël a le droit de riposter pour nous, sentiment d'insécurité. Combien il y a de quarts dans trois quarts? En sixième on ne sait pas, mais on sait dire à la Wakbar et quoi qu'on bénisse pas. Il y a des émeutes et des manifs, des patis, des Lola. Oh là là! Punaise de lit, coup de canif, des tirs ici ou là. C'est ça, la France. Maintenant, on voit la différence. Car c'est Macron qui mène la danse. C'est un génie, un as de la finance. C'est ça, la France. C'est dommage, il n'a pas eu de chance. Il a mis Poutine à genoux, mais ceux qui l'ont profond dans le cul, c'est nous. Face au sentiment d'inflation, faute de vaccination, McKinsey a la solution, toujours plus d'immigration. Devant la tour Eiffel on viole, y a des migrants frivoles. Les vendeurs stockent dans les égouts leurs crêpes, ça donne un goût. C'est ça, la France, elle accueille du monde toute la souffrance. On regarde des ferlés l'Afrique, ces chercheurs en pyramides électriques. C'est ça, la France, suce aux idéologies trop rances. Les poches de la CAF sont immenses, venez nombreux, y a pas de pauvres en France. C'est ça, la France, ça vaut bien qu'on sombre en déchéance. Y avait Bardot, il n'y a plus Brigitte ou Jean-Michel, si c'est une femme à... Allô? La police? Oui, bonsoir, c'est pour signaler une nuisance sonore. Il y a 3 OQTF qui sont en train de violer ma voisine de 95 ans, juste sous ma fenêtre. Comment? Bien sûr que je suis intervenu. Je suis descendu leur dire de violer moins fort, mais ils n'auraient voulu entendre. Allô? Allô?